Mon père fut empoisonné. Mon père fut empoisonné. Papa, donne-moi ma chute. Donne-moi ma chute. J'ai fait un rêve. Je me suis vu en train de jouer un rôle de héros au milieu d'un chaos. Nous sommes mis à côté. Des trahisons et des trahisons. Donc je ne croyais pas à Moïse. Les défis étaient si énormes. Comme toi, tu as refusé de me donner l'argent, on va détruire ta réputation. On va détruire ta réputation. Pourquoi seulement lui? Parce que c'est l'enfant de l'apôtre. J'ai cru ne pas pouvoir y arriver seul. Quand c'est jeune, quand c'est beau, quand c'est brillant, quand c'est intelligent, on veut trouver une petite part de mystique derrière, on veut diaboliser, on veut trouver de quoi reprocher. Le niveau où Dieu a élevé le pasteur Moïse, c'est un scandale pour tout Dieu. Alors je suis allé frapper à la porte de celui qui m'avait promis un soutien. Je me suis mis à écouter la voix de Dieu. Quand il est venu, il avait une vision de faire découvrir les grâces. Même nous qui sommes les ministres de Dieu, nous devons avoir le courage d'enseigner la vérité. J'ai beaucoup de choses à dire sur Moïse. Je vous ai dit que je l'ai vu une semaine avant sa mort. Une voix me disait, Moïse, pense à gagner ta vie. De mon cœur, je choisirais le côté pastoral. J'arrêterai avec la musique. Une autre me disait, Moïse, tu as une génération à sauver. Ceux qui vont découvrir sa vie seront étonnés. J'ai choisi d'accomplir ma mission.